Alors ici, on demande de calculer très rapidement. Et quand je dis très, il faut essayer d'être très 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 rapide parce que ça va être la série numéro 2. La série numéro 1, bien sûr, je ne sais pas ce qu'il en est de vos capacités de le faire en 25 secondes. Bon, disons que le temps est imparti, il faut traiter les produits. Il y aura, bien sûr, c'est des produits, hein, on aura 10 produits à calculer qui sont assez simples. Simplement, il faut rester dans les temps impartis. Alors, sachez que la série numéro 1 a été faite et que j'étais en dehors du temps. Hein. Alors, ici, le temps imparti, c'est 25 secondes. Alors, celui qui sait le faire pendant 25 secondes, tant mieux pour lui. Mais maintenant, j'ai rajouté la minute symbolique. C'est-à-dire, si vous arrivez à une minute, c'est bon. Moi, j'ai dépassé cette minute. Je ne sais plus combien est-ce que j'ai fait. J'ai calculé, j'ai pris 21 secondes au-dessus de la minute symbolique. Donc, vous voyez que je suis. Je crois que j'avais fait. 60 secondes plus 21 secondes, 81 secondes divisé par 25. Voilà, j'ai pris 3,24 fois le temps imparti qui était de 25 secondes. J'ai calculé en 3 fois 3,4. 3, bon, je vais mettre 3,24 en 3,2. 3,2 fois le temps imparti. Bon, j'avais tout bon, hein, les calculs étaient tout bons. J'ai réussi à le faire de manière correcte. Dans la série numéro 1. Les 10 étaient corrects, simplement, il m'a fallu un peu trop de temps, 3,2 fois le temps imparti. Alors, j'ai mis minutes, j'avais mis minutes symboliques. Hein. Le problème, c'est que j'ai passé aussi la minute symbolique, parce que j'ai fait 21 secondes au-dessus de la minute symbolique. Donc, dans tous les cas de figure, j'avais raté le test. Le test est raté. Parce que le test, pour être réussi, il faut avoir tout bon dans les 25 secondes. Mais, je veux dire, voilà. Bon, c'est des multiplications assez simples, je vous le dis tout de suite. Alors, il faut trouver des astuces qui doivent être, je veux dire, le plus rapide. Hein. Votre astuce ne doit pas durer, je veux dire, très longtemps. Parce que si elle dure très longtemps, je veux dire, ça sert à rien. Alors, si vous voyez qu'un calcul, vous ne savez pas le faire, vous passez à l'autre. Et pour revenir tout de suite à celui que vous n'avez pas fait par après, en finalité. Parce que le tout, c'est d'avoir ces 25 secondes. Maintenant, comme j'ai dit, je vais rajouter une minute symbolique. Alors, certains savent le faire en 25 secondes. Le problème ici, c'est aussi, il faut écrire. Hein, parce que, bon, il faut calculer, il faut l'écrire. Parce que bon, c'est vrai que si on n'écrit pas, bon, on gagne du temps. Hein, par rapport à l'écriture, moi, je dois écrire à chaque fois les valeurs. Donc, c'est normal que je passe mon temps à l'écriture. Donc, j'ai un temps, je veux dire, imparti à l'écriture. Il y a le temps imparti au calcul mental et temps imparti à l'écriture. Donc, et là, ça ajoute deux temps. On peut comprendre que c'est normal que je dépasse la minute symbolique. On peut comprendre que. Bon, maintenant, calculer en 25 secondes, ce qui le fait en 25 secondes, c'est qu'il est bon en calcul, voilà, de multiplication. Alors, pas n'importe quelle multiplication, parce qu'ici, il s'agit des multiples de 5. Et je dirais même plus, c'est des multiples de 5 qui viennent d'une série statistique. Vous pourrez quoi, voir que la série statistique, bon, qui est un petit peu comme celle que j'avais calculée dans la série numéro 1. Dans la série numéro 1, c'est un petit peu la même chose, simplement ici, ça va changer un tout petit peu. Et donc, il faut le faire dans les temps impartis. Alors, une fois que je m'a découvert la série, à ce moment-là, je calcule le temps. Voilà, je vais démarrer le temps. Voilà, le temps, je compte 21. Donc, je démarre à 21, je note 21, et on y va. Bon, alors, oui, ça, j'aurais dû pas faire ça. 5 fois 8. 40. 8 fois 5, 40. 15 fois 14, c'est 30 fois 7. 30 fois 7, 210. 25 fois 13, 25 fois 10 plus 25 fois 3, 325. 35 fois 16, 35 fois 4 fois 4, 35 fois 4. 35 fois 2, 70. 70 fois 2, 140. 140 fois 4, 560. 45 fois 14, 90 fois 7, 630. 55 fois 11, 55, ça fait 550 plus 55, 605. 65 fois 8, 65 fois 8, ce qui fait 130 fois 4, 130 fois 4, 520. 75 fois 8,
ça fait 600. 650 fois 4, en fait. 85 fois 5. Je fais 85 fois 10 demi. Ça fait 850 divisé par 2. 425. Et le dernier, 95 fois 3. Je fais 3 fois 100, 300, moins 15, 285. Et j'arrête le test. Voilà. 15 secondes. 23-15. Bon, je ne sais pas combien j'avais commencé, 23-15. Voilà, à mon avis, j'ai raté le test aussi. Hein, parce que je veux dire, à mon avis, c'est 22, 21, 60 moins 21, 39, plus 15. Je ne sais pas si j'ai fait 54. Je regarderai par après si j'ai raté mon test. Parce que, voilà. Bon, maintenant, le test, il est fait. Alors maintenant, je vais donner quelques explications à ce test. Petit instant. Alors, 8 fois 5, c'est l'étape de multiplication. Donc là, il n'y a rien à dire. Vous connaissez ou vous ne connaissez pas vos tables? 8 fois 5, 40, 5 fois 8, 40. Alors, 15 fois 14. Comment a été établi 15 fois 14? Eh bien, 15 fois 14, j'ai fait 30 fois 7. Ça correspond à 30 fois 7. Donc, c'est-à-dire que 14, je l'ai fait en décomposition de 2 fois 7. Alors, j'aurais pu faire 10 plus 5 fois 14. Ou 15 fois 10 plus 4. Voilà, et distribuer. Voilà, vous êtes libre. Hein. On peut faire des distributivités partout. Hein. 10 plus 5, 20 plus 5, 30 plus 5, 40 plus 5, 50 plus 5, 60 plus 5, 70 plus 5, 80 plus 5, 90 plus 5. Ça vient d'une série de statistiques. Hein. Donc vous voyez bien que là, on est passé plus 10, 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 plus 10. Voilà. Vous aurez compris que ça vient d'une série de statistiques. Et donc, c'est-à-dire, si vous avez une série de statistiques à calculer sur machine à calculer, ben voilà. Un exemple concret, mais qui doit être vite fait, par exemple. Par exemple, c'est un test où vous devez vite répondre à cette série statistique. Alors maintenant, le 25 x 13, j'ai fait 25, 25 x 10. En fait, ici, j'ai décomposé en 10 plus 3. Alors 25 x 10, 250, 25 x 3, 75, 25, 250 plus 3, plus 2, 75, 325. 35 fois 16. Le 35 fois 16, j'ai fait 35 fois 2 fois 2 fois 4. 35 fois 2 fois 2 fois 4. C'est-à-dire 35 fois 2, 70 fois 2, 140. Et 140 fois 4. Vous pouvez encore faire fois 2. Hein. Voilà. Ça fait 280. 280, c'est 28. 28 fois 2, 56. Ça fait 560. Alors, petite remarque. Quand vous multipliez un multiple de 5 par un nombre pair, ça donnera d'office 0. Hein. Et un nombre, un multiple de 5 multiplié par un nombre impair, ça donnera 5. Ça, c'est la constatation qu'il faut faire. Alors, comment j'ai fait 45 fois 14? J'ai fait 45 fois 2 fois 7, là, ça fait 90. J'ai fait 9 fois 7, 63, et j'ai rajouté un 0. Voilà. 55 fois 11. Comment j'ai fait ça? J'ai fait 50, 50, 55. J'ai choisi 55 fois 10 plus 1. J'ai choisi cette option-là. Fois 10 plus 1, c'est-à-dire 550 plus 55. 550 plus 55. Bon, on retombe au-dessus dans les 600. Alors, il y a un autre truc à ça. Hein. Il y a un autre truc. Vous pouvez écarter les deux 5. Quand vous multipliez par 11, on écarte les deux chiffres. Voilà. Vous faites 5 plus 5, ça fait 10. Mais comme il y a un report, ça fait 605. Il y a une autre manière de faire. Voilà. En multiplication, par exemple, vous faites 7 fois 11. Bon, ça c'est 77. Bon, ça c'est assez simple. 8 fois 11, c'est 88. Mais si vous faites 12 fois 11, vous écartez le 1, 2. Vous faites 2 plus 1, ça fait 332.
Parfois, il peut avoir un report, mais en ce moment, il faut le tenir compte. Si par exemple, je vais faire 15 fois 11, vous écartez le 1 à 5, 1 plus 5, ça fait 665. Bon, maintenant, si vous faites 67 fois 11, vous écartez ici 7, 6 plus 7, 13. Donc là, c'est 737. Donc, vous voyez qu'il y a des méthodes de calcul qui sont assez radicales, qui peuvent être trouvées assez facilement. Donc, ici, le ça, ça a été trouvé facilement. Alors, 75 fois 8, 75 fois 2, 150 fois 4, 150 fois 4, c'est 15 fois 6, 15 fois 4, ça fait 60. Vous rajoutez un 0. Alors, ces deux-ci, bon, vous avez beaucoup, beaucoup de choses aussi. Ici, j'avais opté pour 90 plus 5 fois 3, c'est-à-dire 270 plus 15, ce qui fait 285. 285. Et celui-là, bon, pour l'avoir vite, j'ai fait 4, multiplié par 5, ça revient à faire fois 10, divisé par 2, donc ça fait 850. 850 divisé par 2, ça fait 425. Voilà, 425. Donc, le tout, c'est d'écrire vite, hein. D'écrire vite, parce que c'est vrai qu'on a un temps apporté au calcul, on a un temps apporté à l'écriture. Parce que écrire 40, et ça va. Parce que ici, regardez bien combien de chiffres qui a été écrit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Il y a 29, on va dire, en tout et pour tout, il y a environ une trentaine, 29 écritures. Hein, 29 écritures. Donc, ça prend des secondes, hein, l'écrire, le fait de l'écrire. Ça prend des secondes. Ça prend, ça, c'est, voilà, ça mange, on va dire, ça mange des secondes. Ça consomme. Ça mange, ça consomme. Ça consomme des secondes. L'écriture consomme des secondes. Le calcul mental fournit de l'effort et consomme des secondes. C'est-à-dire que le calcul mental, trop en faire, ça fatigue l'esprit. Hein. C'est un peu comme dans tout, quand vous travaillez l'esprit, bon, je veux dire, ça va fatiguer l'esprit. L'esprit. C'est comme si vous travaillez vos mains, vous prenez des objets, ben, vous allez commencer à avoir une fatigue physique. Une fatigue physique. Voilà. Si vous faites du calcul mental, vous allez avoir ressenti une fatigue morale. Voilà, donc dès le moment où vous êtes en perte de fatigue, vous êtes en perte d'énergie. Donc vous avez moins d'énergie et donc votre rendement n'est pas aussi bon quand on est fatigué que quand on est en bonne forme. Parce qu'en bonne forme, on a toute l'énergie qui est là, qui est prête à être consommée. Mais je veux dire, quand on est fatigué, fatigué, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va puiser dans un système d'énergie complémentaire où ça, voilà, on est dans une réserve d'énergie, on épuise sa réserve, voilà, on est dans une réserve. Voilà, donc. Bon, ici, je n'ai mis que deux séries, mais c'est vrai que si vous faites des tests psychotechniques qui vont durer une journée complète, ce qui peut arriver, bon, dans certaines entreprises, on vous fatigue la matinée, on vous fatigue l'après-midi. Je vous prie de me croire que quand vous avez passé vos tests psychotechniques en matinée, l'après-midi, vous n'avez plus de l'énergie suffisante pour pouvoir continuer, hein. Vous perdez les pédales, c'est-à-dire que vous n'avez plus, voilà, cette forme, voilà, de rendement qui vous permet de répondre de la manière possible, de manière efficace. L'efficacité se perd parce que vous perdez de l'énergie. Donc ça se comprend. Donc les compétences, ça ne suffit pas. Des moments où vous perdez de l'énergie, c'est comme quelqu'un qui est fatigué à courir, bah, il va courir moins vite. C'est normal. Quelqu'un qui fait du cycle, qui est un cycliste, s'il commence à être fatigué, je veux dire, il va commencer en perte de l'entrain. Donc, ce qui va se passer, c'est que, voilà, on a la fatigue devient une difficulté. Bon, est-ce qu'elle est insurmontable? Non, mais le problème, c'est que ça pose un problème, c'est une contrainte. C'est une contrainte, ça vient, c'est quelque chose qui vient vous freiner dans votre élan, parce que la fatigue, elle est là. Donc, quand vous êtes à un examen, le problème, il faut être sain d'esprit. Sain d'esprit. Arriver en bonne et due forme,
mentalement et psychologiquement et physiquement. Donc on doit être dans de bonnes conditions pour répondre, je veux dire, se positionner face à un examen. Répondre à des questions, c'est avoir des compétences. Effectivement, c'est ne pas se tromper, on est d'accord. Et c'est surtout, je veux dire, pouvoir avoir de l'énergie pour pouvoir supporter, je veux dire, un temps imparti où il y aura une grande consommation d'énergie qui va être donnée durant ce temps imparti. Sans parler des contraintes encore externes, d'autres contraintes. Il y a bien sûr les contraintes de fatigue, contraintes de toutes sortes, de stress. Il y a du stress, surtout si vous avez déjà du stress intrafamilial, intraprofessionnel, et voilà, d'autres stress qui s'accumulent, vaut mieux les oublier, les mettre ailleurs pour pouvoir penser, je veux dire, à votre stress, parce que le stress, il y a le stress négatif, le stress positif, pour avoir un stress positif. Bon, voilà, donc il faut répondre avec du répondant, avec une certaine forme de nervosité, sans être trop nerveux pour ne pas, je veux dire, voilà. Parce que trop de nervosité, bon, vous êtes emballé. Si on est emballé, si on peut perdre, je veux dire, un petit peu, je veux dire, certaines visions des choses quand on est trop énervé. Et donc, on peut faire facilement des erreurs qui, en temps normal, en temps de calme, je veux dire, on ne ferait pas. La nervosité entraîne bien sûr des contraintes, hein, des contraintes aussi. Bon, c'est pour ça que, je veux dire, un examen, c'est de multiples contraintes, hein. C'est de multiples contraintes. Hein. C'est de multiples contraintes. Je vous dis, quelqu'un qui va à un examen, certains ont des parents malades, certains sont malades eux-mêmes et vont à l'examen. Mais donc, bon, ils doivent passer l'examen alors en état de maladie. Certains doivent penser à leurs parents qui sont malades ou à leurs proches qui sont malades. Et donc, ils devront passer un examen qu'ils ne seront pas tranquilles. Parce qu'ils songent aussi à ce qui se passe en famille. Mais le tout, c'est de savoir répondre en un temps imparti et de mettre tout ça de côté pour laisser tous ces problèmes, je veux dire, de côté et pouvoir répondre à des contraintes posées par l'examen lui-même. Il faut se résoudre à répondre à des problèmes qui sont, voilà, des problèmes posés. Inhérent à vos capacités et à vos facultés. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, les facultés, vous devez avoir des facultés physiques et mentales. Et voilà. Qui peuvent, je veux dire, être en adéquation avec une mise à l'épreuve. Voilà. Vous devez avoir des capacités physiques, mentales et intellectuelles qui sont en adéquation avec une mise à l'épreuve. Et donc, répondre qu'aux critères. Voilà, de contraintes liées à l'examen. Les examens sont des problèmes, donc sont des contraintes à résoudre. Donc, vous devez répondre aux contraintes de l'examen, tout en laissant les contraintes externes, style, bon, il y avait peut-être multiples contraintes externes. Voilà, elles sont multiples, hein. Problèmes financiers, problèmes médicaux. De soi-même ou des proches, etc., etc. Donc tout ça, un examen, il faut mettre ça de côté. Même si c'est difficile à le faire, il faut penser examen, il faut penser l'examen et il faut penser examen. Et donc mettre toutes ces contraintes-là en stand-by, en stand-by. Donc tout ça demande aussi une approche psychologique de préparation, voire un coaching. Bon, on peut coacher des personnes pour pouvoir passer un examen. Parce que les compétences ne suffisent pas parfois. Si c'est pour aller stresser et voilà, ne plus savoir répondre aux questions du fait du stress de l'examen. Enfin, du stress, le gars est pris psychologiquement par un stress. Quel que soit le stress, chacun vit ses stress à sa manière. Mais parfois, pour avoir des gros stress, et je veux dire, qui vous empêche d'avancer dans l'examen, de vous pouvoir réfléchir correctement parce que vous avez. Pas, vous n'êtes pas en pleine capacité, voilà, de vos émotions viennent vous envahir par rapport au cognitif. Il y a le cognitif, voilà, et il y a l'émotionnel. Donc il faut savoir faire la part des choses, l'émotionnel, le laisser de côté et tenter d'avoir le moins
de contraintes possibles pour un examen. Et voilà, à partir de là, on peut se concentrer sur les questions qui sont posées à l'examen par rapport à ses connaissances, par rapport à ce qu'on en a étudié, parce que les connaissances vues au cours ne sont pas forcément celles que vous maîtrisez, parce que vous avez peut-être une partie d'examen que vous n'avez pas étudié, enfin une partie de cours que vous n'avez pas étudié, parce qu'on a. Ouais, généralement, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Bon, les gens, ils étudient du début à la fin. Alors, quand on n'a pas le temps vers la fin, qu'est-ce qui se passe? Ben, on en met la fin. Et s'il y a des questions vers la fin, on ne sait pas y répondre. Hein. Ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Il y a toujours la contrainte, je veux dire, aussi de ce qui était vos cours. Je vous rappelle que certains ont de octobre, parce que les véritables cours commencent en octobre, enfin, septembre, c'est un petit peu de la rigolade. Mais certains on commence les cours en octobre pour avoir plus d'une dizaine de cours à passer en examen en janvier déjà. Donc sur base de octobre, novembre, décembre, voilà, et janvier, sur base de 3 mois et demi, 4 mois, ils doivent ingurgiter 15 cours. 15 cours, 10-15 cours. Ouais, je veux dire, c'est de la matière. C'est avaler de la matière, je veux dire, avaler, 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 avaler de la matière. Ça peut être, je veux dire, une très grosse contrainte aussi, ça. Je veux dire, gérer sa matière, avoir une capacité de mémorisation. Voilà, de ce qui est le plus utile, parce que c'est vrai que tout connaître, ça sert à rien. Il faut des années pour tout connaître. Il faut des années pour connaître 15 cours, je vous le dis tout de suite. Bon, ça c'est pas comme ça. Bon, dans d'autres, des grosses mémoires, bon, puis ils peuvent l'ingurgiter beaucoup plus vite que d'autres. Mais je veux dire, pour une personne normale, pour ingurgiter 15 cours, réellement, correctement, voir tous les tenants, les aboutissants du cours, 15 cours, il faudrait, je veux dire, quand même, plus d'une année. Hein. Alors là, c'est sur. Ce qui est vu en 3 mois, peut-être vu sur plusieurs années. Hein. Je vous le dis tout de suite, pour bien comprendre les choses. Bon, c'est pour ça que quand on arrive, je veux dire, en première année, ou une seconde, ou troisième, ou peu importe, on fait des synthèses. Et les synthèses. Et les synthèses ne permettent pas de. Je vais aller au fond des choses. C'est normal, parce que je veux dire, si on veut aller au fond des choses, il faut des années, comme je vous l'ai dit. Si vous voulez aller dans les détails dans chaque matière, il faut des années. Donc, il faut synthétiser les matières et sur 3 mois de temps, il faut savoir gérer voilà ce qui était vu sur 3 mois de temps et en synthétisant. Si on n'a pas vu certaines choses, tant pis. Je veux dire, le tout, c'est d'avoir voilà des résultats qui dépassent la matière pour pouvoir réussir. Maintenant, si vous avez 12, 13, 14, c'est déjà magnifique d'être en supérieur et d'avoir 13, 14, 15 sur 20. Maintenant, certains ont des gros cerveaux, certains ont une logique beaucoup plus grande que d'autres. Donc, à ce moment-là, ils peuvent monter à des 16, 17, voire 18 sur 20. Voire des 19, pourquoi c'est possible, tout est possible. 19 sur 20, tout est possible. Voilà. Mais ce qui en fait des élus de. Non pas des élus de la nation, mais des élus voilà, de la scolarité, parce que c'est. Pour arriver à de tels résultats, il faut. Voilà, c'est pas donné à tout le monde d'avoir des 18 ou 19 sur 20 à des cours, hein, parce qu'il y a toujours des choses qu'on ne connaît pas, des choses qu'on n'a pas étudiées correctement. Des choses qu'on n'a pas su réviser, des choses qu'on n'a pas su étudier, des choses qu'on s'est trompé, des choses que, je veux dire, on n'a pas eu le temps de répondre. Mais comme je dis, si le temps imparti, ça joue beaucoup. Le facteur temps est un facteur, je veux dire, déterminant. Je veux dire, parfois, bon, on ne sait jamais ré répondre à toutes ces questions parce que le temps est. Quand il est passé, le temps, il faut rendre sa copie. C'est comme ça. Et parfois, on vient vous arracher la copie des mains, alors que vous êtes encore en train de répondre à une dernière question, pour essayer de la peaufiner, ben, pas moyen, on vous arrache. Voilà, les feuilles des mains. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que quand le temps il est passé, il est passé, on vous prend les feuilles, c'est tout. C'est comme ça. Et ça, c'est comme ça partout. Une fois que l'examen est terminé, hop, on prend les feuilles. Bien qu'on ait envie de continuer, mais on ne peut pas. On peut pas. Voilà. Donc, si vous n'avez pas répondu à des questions, ben, c'est des points en moins. Alors que peut-être que vous saviez répondre à la question, mais le problème, c'est que le temps est passé, donc c'est trop tard. Donc, ici, c'est pour vous dire quoi? Calculer très rapidement ici, la leçon que je tirais ici voilà, la morale de cette histoire, c'est que je veux dire, quand on vous donne un temps imparti, ben, il faut savoir le faire dans les temps impartis. C'est pas toujours facile parce que le temps il passe, voilà, le temps passe. Donc on doit construire une maison, une habitation, ben, voilà, si, on va calculer les prix, voilà, le prix de la construction est fonction, bien sûr, du temps imparti à sa construction. Ben, si maintenant il dépasse les délais de construction, il va avoir des rajouts et il faut repayer des choses. Et c'est comme dans tout, hein, en production. Le facteur temps est un facteur déterminant dans beaucoup d'activités. Le sport,
On peut retrouver le facteur temps qui est déterminant au niveau du sport, au niveau de la production, au niveau de la fabrication, au niveau de partout, vente. D'ailleurs, c'est pour ça que le facteur temps, F, bien sûr, peut avoir plusieurs variables. En tout cas, le facteur temps est un facteur déterminant dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de choses. Que ce soit les composants électroniques, le facteur temps intervient. Par exemple, je pense au condensateur. La charge d'un condensateur se prend pendant un certain temps. Donc, on peut en faire des temporisateurs. Grâce à cet élément combiné résistance-condensateur, on peut en faire un facteur temps. Enfin, une mesure du facteur temps. Voilà. Donc, le facteur temps, vous avez une journée. Une journée, c'est 24 heures. On a 8 heures normalement pour travailler, 8 heures pour dormir, ce qui fait déjà 16 heures et vous en restez plus de suite. Alors, 8, vous faites ce que vous voulez, mais généralement, on peut considérer que 8 heures, c'est pour les hobbies. Vous faites vos hobbies qui vous intéressent. 8 heures de travail, 8 heures de repos et 8 heures de hobby. Comme ça, bon, la journée elle est bien équilibrée. Ça, c'est bien équilibré, c'est le 3-3-3, elle est bien équilibrée. Mais sachez que le facteur temps, il est là. Quand dans une entreprise, on vous demande de faire un travail à partir durant pour une durée d'un temps T donné, si vous avez rempli les conditions du facteur temps, tant mieux. Mais si maintenant vous ne l'avez pas rempli, là, à ce moment-là, il y a probablement un chef ou un patron ou voilà, un collègue qui vous dira que je veux dire, vous ne répondez pas, je veux dire, aux critères de. Voilà, Alors, si vous êtes en mécanique, par exemple, il existe ce qu'on appelle ce sont des livres qui vous disent que pour telle tâche, bon, ça doit durer autant de temps. Pour telle tâche, maintenant, on peut toujours avoir des problèmes. Hein, je veux dire, là, à ce moment-là, il faut rajouter quel est le problème qui est intervenu et pourquoi on a rajouté autant de temps. Mais maintenant, si maintenant on vous dit un filtre à huile, il faut, pour le remplacer, il vous faut 15, on va dire 10 minutes. 10 minutes pour le remplacer. Voilà, pour faire une vidange et remplacer le filtre à huile, 10 minutes. Je veux dire, si vous faites 40 minutes, on va vous poser la question, comment ça se fait que vous êtes passé 40 minutes? Maintenant, s'il y a des raisons valables pour lesquelles vous avez fait 40 minutes, la raison est valable, bon, ça peut rentrer dans le jeu. Là, on en tiendra compte. Mais maintenant, si je veux dire, vous faites chaque fois 40 minutes pour un filtre à huile, là, ça pose un problème. Vous êtes lent pour pouvoir au répondant, vous êtes lent au niveau des mouvements, vous êtes lent. Voilà. Et on se pose la question, comment ça se fait que vous prenez 40 minutes pour faire ça? Voilà. Alors, je rappelle aussi que quand vous faites un travail répétitif, vous finissez sauf en dehors du facteur fatigue, en dehors du facteur fatigue, si vous faites un travail répétitif, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, vous répondrez beaucoup plus rapidement avec le temps. Pourquoi? Avec le temps, parce que je veux dire, vous allez faire des activités, je veux dire, qui sont répétitives, mais je veux dire, vous les ferez, le cerveau va s'habituer, va les faire de plus en plus vite. Et ça, c'est pour tout le monde, va les faire de plus en plus vite et voilà, vous allez avoir ce qu'on appelle un automatisme. Le cerveau va savoir faire des gestes très rapidement, il sait quel geste faire et il n'a plus à réfléchir. Ça va être, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça? Instinctif. Instinctif. Bon, maintenant, il y a des travaux qui ne restent. Voilà, il y a des travaux qui restent difficiles. Hein. Voilà. Chacun a ses facultés, ses compétences, chacun a sa maîtrise des choses. Parce que si on vous dit de. Voilà, il y a des travaux, par exemple, je pense à des travaux de téléphonie où on engage plus. Des femmes pour faire des travaux au niveau des petits câblages. Pourquoi? Parce qu'ils ont une dextérité à travailler voilà, des petites choses très petites très rapidement. Voilà, mais par exemple, moi, au niveau de l'encodage, bon, certains savent encoder vite, d'autres encodent moins vite. Et il y en a, ils ont beau apprendre pendant 50 ans la dactylographie, bon, je veux dire, ça ne passe pas. Ils taperont comme moi maintenant. J'ai toujours tapé doucement. Voilà. Et la dactylographie, ça n'est jamais rentré. Voilà, dans mon quark. Alors que j'ai eu des cours de dactylographie. J'ai eu des cours de dactylographie. Je veux dire, j'étais pas le. J'étais quasiment le dernier en dactylo. Voilà, parce que c'est une compétence qui rentre pas dans mon infinité. Ça n'est jamais rentré. J'ai beau.
Je veux dire, m'entraîner en dactylographie, je suis toujours en arrière-plan. En tant que. Voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que. Alors que la dactylographie, bah, il y en a qui vont commencer à taper bon, sans regarder, ils vont faire des voilà. Sans regarder, ils vont parler à leurs voisins tout en faisant de la, en tapant de la, voilà. Au cours de dactylographie, bon, j'étais toujours, on va dire tout juste, parce que c'est vrai que, je veux dire, de toute façon, même s'ils m'avaient mis, repasser l'année d'après, j'aurais eu toujours la même vitesse. Même si je fais 10 ans en dactylographie, j'ai toujours la même vitesse. Donc, je veux dire, c'est quelque chose qui ne passe pas. Et donc, il y a des choses comme ça, qui sont adaptées pour certaines personnes et pas pour d'autres. Voilà. Je pense par exemple au câble téléphonique qu'il faut, je venir avec une certaine forme de dextérité, travailler avec ses doigts. Bon, ça ne s'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui le font très, très, très vite. Il y en a, ils ont beau s'entraîner. Bon, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Voilà. Chacun sa faculté. Comme je viens de vous dire avec la dactylographie, je veux dire, bon, dactylographie, ça n'a jamais été mon. Bon, comment on appelle ça, mon dada au niveau de la. Bon, j'ai essayé, bon, ça n'a pas marché. Si, même si je fais 10 ans de dactylographie, je pense que les 10 ans après, j'aurais pas eu d'amélioration. Voilà, je sais pas pourquoi. C'est quelque chose qui. Voilà, que je sais pas. Je sais pas. Chacun son feeling. Voilà, et ça c'est pas pour moi. La dactylographie, c'est pas pour moi. Voilà, quand je tape, j'essaie de faire en. Voilà, en fonction de mes possibilités, de mes moyens, mais bon, disons que la dactylographie, c'est pas mon beau-four. C'est pas mon beau-four. Voilà. Et donc, il y a des travaux comme ça. C'est pas fait pour vous. Il y a des travaux qui seront peut-être faits pour vous, d'autres pas. Voilà. Bon, il y a certaines personnes dans la gente féminine et qui manipulent le GSM comme quelque chose d'incroyable. Bon, vous tapez des touches à la vitesse. VV prime sans regarder ce qu'ils font. Donc ça, c'est dans mon impossibilité. Enfin, c'est une impossibilité pour moi. Donc c'est pour vous dire que même si je devais apprendre à faire ça, j'aurais toujours des difficultés à faire ça. Donc il y a des choses qui sont propres à certaines personnes et pas propres à d'autres. Tout simplement, il y en a, ils ont on va pas dire un don parce que c'est pas donné. Je veux dire, leur cerveau a veux dire, imprégné. Des façons de faire qui sont très, très très faciles pour certaines personnes et pour d'autres difficiles. Mais ces mêmes personnes ont ces qualités, mais ils ont ses défauts. Chacun a sa qualité, ses défauts. Donc d'autres personnes sauront faire des choses que la personne qui a une certaine forme de facilité n'aura pas pour d'autres domaines. Parce qu'on ne peut pas être fort dans tous les domaines. Ça, je peux vous dire la vérité. On peut être fort dans tous les domaines. Même. Après 3-4 vies, c'est-à-dire après 3-4 vies centenaires, je veux dire, on a toujours des choses à apprendre voilà, à savoir-faire. Bon, je veux dire, c'est pour ça qu'on a créé les domaines, chacun son domaine. Parce que sinon, je veux dire, on ne s'en sort plus. L'être humain, il est ce qu'il est. Il est ce qu'il est, je veux dire, avec des facultés limitées. Voilà, je connais personne qui connaît les connaissances d'une bibliothèque. Voilà, et je connais personne qui a tous les métiers à ses mains. C'est-à-dire qu'il est agriculteur en même temps, producteur je sais pas, producteur de pièces détachées, qui en même temps, qui sait faire, je sais pas, des habitations, qui sait faire, voilà, une fusée à lui tout seul, construire une fusée à lui tout seul. Non, je connais personne qui puisse faire ça. Et c'est pour ça que, justement, on est dans un monde où il y a des êtres humains, et les êtres humains doivent s'entraider, où chacun fait sa tâche, et c'est en. Chacun dans ses tâches préconisées va venir donner un petit plus voilà dans une petite société, comment faire fonctionner une petite société par voilà le savoir-faire et les compétences, les tâches de chacune des personnes dans cette société. Et c'est ça qui va aider la société à, je veux dire, à avancer et à produire et à créer des choses. Quel que soit le domaine artistique, professionnel, enfin artistique ou de production ou de vente ou de ce que vous voulez. Je vous remercie.